Je me nomme Mapu Alevi Parmena et si vous pouvez le constater, c'est le nom du logo de ma chaîne. La chaîne vous présente des émissions et bien d'autres. La chaîne parle beaucoup plus de spiritualité où j'ai intitulé une émission appelée Loin de la vérité, ma toute première émission. Pour plus d'infos, viens vite sur le site YouTube mlp.product.com. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Oh,
Puis Manteau a décidé de faire un direct afin de dénoncer cela et Lada a vu le direct. C'est à partir de laquelle a décidé de poursuivre ces jeunes hommes en justice. Comme motif, elle a dit que les jeunes comédiens refusent d'aimer et d'accepter son excellence Paul Biya comme président de la République du Cameroun et elle est allée les accuser d'avoir commis un acte de vol à son égard. Les jeunes ont bien sûr été interpellés à la PJ de Douala où ils ont dû répondre de cela. En apartheid, la dame leur a dit « Je ne suis pas là pour vous enfermer, ce n'est pas mon souhait. Je souhaite juste que vous acceptiez mes conditions qu'on travaille ensemble et que vous ne divulguiez pas ce qui a été dit entre nous. » Les jeunes persistent en refusant cela et ils ont davantage contacté les influenceurs pour les aider à combattre cette dame afin de les protéger. C'est la raison pour laquelle l'influenceur Pifo a décidé de les venir en aide en leur fournissant ses propres avocats pour les défendre. Et plusieurs autres influenceurs les ont rassurés, leur a dit de ne pas s'inquiéter car cette dame ne peut rien contre eux. C'est le cas de Sus de Comédie qui a fait un direct dessus et les a appelés pour témoigner dans le direct. Le jeune main bailleur Oscar a clairement confirmé tous ses propos devant la communauté de l'influenceuse Sus Comédie. Celle-ci au travers de son histoire également vécue dans le showbiz a énormément sensibilisé la jeunesse et elle a expliqué tout au long de son direct les conditions qui elle-même lui ont été imposées lorsqu'elle a voulu se frotter à ce monde. Ils ont transféré les voices et messages aux différents influenceurs. Actuellement, la procédure est toujours en cours, nous patientons. Les questions qu'il y a à se poser face à cette polémique sont celles de savoir, pour réussir dans le monde du showbiz faut-il forcément se livrer à ce genre de pratiques? Pour atteindre un certain niveau social faut-il forcément tremper dans ce genre d'histoire? Pourquoi vouloir autant compliquer la vie des jeunes qui ne demandent qu'à se chercher afin de réussir leur vie? Tous les grands acteurs et comédiens passent-ils réellement par ce genre de pratiques pour pouvoir réussir? Pourquoi piller autant la jeunesse? Nous admirons et applaudissons grandement ces jeunes acteurs qui ont eu le courage d'affronter cette dame en lui disant non. Ils ont eu le courage d'assumer leur valeur morale, d'assumer leur perspective de vie. Ils ont refusé de pratiquer ces abominations qui certainement auraient eu des conséquences néfastes pour leur vie. Ils ont agi intelligemment en conservant scrupuleusement ces voices et appels et en choisissant de l'exposer au grand public. Nous félicitons également les influenceurs et créateurs de contenu qui jusqu'à présent ont dénoncé cette pratique maléfique et qui appellent à la justice et à la sensibilisation. Nombreux sont les jeunes qui ont accepté ce genre de conditions et se sont livrés à la vie facile, et ont vécu ce qu'on appelle communément le vivre heureux et mourir jeune. Certains ont perdu la raison. D'autres ont vu leurs étoiles s'envoler à cause de cela et ont perdu complètement leur raison de vivre. D'autres ont même perdu la vie à cause de ce genre de pratique. Prudence, prudence, prudence. Malgré les difficultés de la vie, malgré l'emploi qui devient de plus en plus difficile à trouver, malgré les obstacles de la vie, nous encourageons grandement la jeunesse à ne pas tomber dans les pièges de la vie facile. Nous encourageons la jeunesse à croire en leurs valeurs, en leur travail, à croire à leurs talents, et peu importe le temps que ça prendra, leur étoile finira par briller. Il ne sert à rien d'aller très vite, mieux vaut aller doucement et sûrement afin d'éviter de se retrouver dans le chemin du « si je savais ». Tout comme le jeune main bailleur Oscar, nous invitons tous les jeunes victimes de ces propositions, de ces harcèlements, à dire non et à agir avec intelligence comme l'ont fait ces jeunes afin que ces personnes soient démasquées et exposées au grand public. Cela permettra ainsi d'abolir ce genre de pratiques. Nous espérons qu'avec les voices et appels qui ont été enregistrés, les avocats employés par l'influenceur Pifo pourront aider ces jeunes et que cela servira comme preuve pour permettre que la plainte déposée par Sylvie Nguena n'aboutisse pas et qu'au contraire que justice soit rendue non seulement pour ces jeunes comédiens mais également pour toute la jeunesse qui ne demande qu'à réussir leur vie par des moyens nobles. Nous espérons que justice sera faite et que les jeunes comédiens n'auront aucun problème et qu'au contraire cette dame saura désormais se tenir et ne recommencera plus ce genre de pratique. Nous restons confiants sur le fait que la jeunesse a encore un avenir dans nos sociétés. Quel est l'avenir de demain et qu'elle peut très bien réussir sans toutefois passer par ce genre de pratiques maléfiques. Ensemble combattons cela. Car c'est nos actions collectives qui amèneront au changement. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos car ici chaque histoire et témoignage ont pour